Voilà comment ça se passe. Donc me voici en mode sampling. En fait, j'ai créé pour l'exemple 10 multisamples. Donc vous voyez que mon premier multisample ici s'appelle One et il est constitué d'un seul sample. On pourrait en mettre plusieurs, pas de problème, hein, mais ici pour l'exemple, pas besoin d'en mettre plusieurs. Il est constitué d'un seul sample. Donc il ne faut pas oublier que les wave sequences utilisent plusieurs multisamples. C'est bien à ce niveau-là qu'on va changer les sons et non pas à ce niveau-là. Donc il faut créer 10 multisamples différents. Alors voici le premier qui s'appelle One. Ok, donc ça n'a aucun intérêt musical comme d'habitude pour le tuto. C'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, two, deuxième, three, etc., etc. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. Voilà, donc j'ai 10 multisamples de 1 à 10 que je vais utiliser. Donc je pars du principe que vous savez déjà importer des samples, fabriquer des multisamples dans les mémoires du Chronos. Donc ces samples, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais aller dans le mode wave sequence. Donc je vais aller déjà dans le mode global où se situe. Donc j'appuie sur global, hein, sur le panneau. Voilà, et je sélectionne le menu et le sous-menu. Wave sequence. Ici, vous voyez que j'ai déjà mis mon multisample 1, mon multisample 2, 3, etc., 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 jusqu'au dixième, tac, et ici, plus rien. Vous voyez ici que la petite ligne grisée qui se trouve au bord indique quels sont les multisamples qui vont être utilisés dans cette wave sequence. Donc, vous voyez que la petite bordure grise s'arrête à 10, ça veut dire que au-delà de cette limite, tout cela ne seront pas utilisés. Où est-ce que ça se paramètre? Ça se paramètre ici. Start step, end step. Ok. Alors là, j'ai fait une petite fausse manip. Voilà, de 1 à 10. Et donc la longueur, c'est 10. Ok. Si je veux mettre par exemple de 1 à 9, donc on voit ici la petite limite qui bouge. C'est cool. Et de la même manière, ici, cette limite va bouger. Si jamais je vais mettre ici par exemple, hop, 6. Donc ici, ça s'arrête ici à 6. Ok, et ensuite on a un paramètre de loop. Donc là en fait j'utilise 10 pas et je les fais boucler sur 10 pas. Je pourrais très bien utiliser 10 pas et faire boucler uniquement les 4 derniers par exemple. Donc ici. Mais là je vais utiliser 10 pas et faire boucler les 10. Ok. Donc par défaut, comment ça se passe? Déjà on a souvent run qui est activé. Ce qui veut dire que les différents samples vont se succéder. Donc on écoute ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc en fait, on lit les samples ici dans l'ordre. Ok. Et on reboucle, on revient au début. Donc ça va un peu vite. Alors il faut voir que si on se met en mode tempo ici, on peut tout à fait ralentir ou accélérer la lecture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Voilà. Et dans l'exemple qui nous intéresse ici, moi j'ai pas envie que ça lise automatiquement, j'ai pas envie qu'on mette en mode run, donc je décoche. Si je décoche, qu'est-ce qui se passe? Quand je vais appuyer sur une touche du clavier, one. Si je rappuie, one. J'ai de nouveau one. 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 C'est-à-dire qu'il reste bloqué à la première étape. Comment faire en sorte qu'il enchaîne les étapes? Eh bien, il faut aller dans step, dans séquenceur paramètre, pardon, voilà. Et ensuite on met not on advance. Donc à chaque fois que je vais taper sur une note du clavier, il va avancer d'un pas. Alors on y va. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc là, 1, 2, 3. Évidemment, après, ça reboucle, hein, comme d'habitude. Mais c'est vraiment le jeu au clavier qui définit la vitesse et puis, voilà, comment on passe d'un pas à l'autre. Super. J'ai un nombre de répétitions infini. Je pourrais très bien mettre un nombre limité, hein, je pourrais mettre un chiffre, mais moi, j'ai envie que ce soit tout à fait infini et que la direction, ce soit forward, c'est-à-dire marche avant. Si je mets backward, hop. 4, 3, 2, 1, 10. Voilà, on va dans l'autre sens, comme prévu, comme on pouvait s'y attendre. Ok. Alors là, vous voyez qu'à chaque fois que j'appuie sur une touche du clavier, bah déjà, c'est bien parce que ma wave séquence, elle me permet de déclencher des multi-samples différents. C'était déjà le but recherché. Mais là, il se déclenche toujours dans le même ordre. Là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Mais je pourrais avoir envie de faire, de déclencher n'importe quel pas de façon aléatoire. Alors, pour faire ça, je vais me servir du paramètre modulation ici. Modulation, je vais mettre un LFO. Voilà, je vais dire que mon pas, par défaut, c'est 5, puisqu'en fait, je suis de 1 à 10, donc le pas médian, c'est 5. Et je vais dire, bah, le LFO va faire varier la lecture du pas de plus ou moins 5 pas. Voilà. Donc ici, si j'avance, c'est le LFO qui va décider, en fonction de sa courbe, quel est le sample qui est lu. Par exemple, si je mets un carré, on peut imaginer qu'il va lire tous les 1, et puis après il va lire tous les 10, voilà, si je le mets à fond. Si je mets un triangle, bah, il va les lire dans un certain ordre, il va faire de la marche avant, de la marche arrière, etc. Alors de quel LFO s'agit-il ici? Puisqu'en fait, ici, on n'a pas de menu LFO. Bah, il s'agit du LFO, du programme dans lequel je vais utiliser la wave séquence. Alors c'est ça la petite astuce, c'est-à-dire que le wave séquence utilise des paramètres qui ne sont pas dans la wave séquence, qui sont ailleurs dans le programme. Donc si vous utilisez une même wave séquence dans des programmes différents, vous pourrez avoir des résultats différents. Alors avant d'aller en mode programme, je ne vais surtout pas partir d'ici comme ça, je vais sauvegarder. Donc je fais, je l'avais déjà nommé, user B08 countdown, et je vais faire write, voilà, j'écris write wave séquence. Voilà, là il est en mémoire. Ok, cool. Donc, je vais en mode programme, et j'ai créé un programme, tout simple. Donc ici, vous voyez, c'est écrit en bleu, ça veut dire que j'utilise une wave séquence. Donc j'ai déjà ma wave séquence, hein, que j'avais déjà renseignée, hein, ok. Donc ici, on sélectionne les wave séquences ici, donc soit on n'a rien, soit on a un multi-sample, soit on a, vais-je y arriver, une wave séquence. Et là, j'ai choisi wave séquence countdown. Ok, donc dans mon programme, je vais utiliser la wave séquence que je viens de créer. Super. Il n'y a rien d'autre, hein, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'enveloppe, il n'y a pas de filtre, je ne sais pas quoi. Là, j'ai juste mon sample de base. Ok. Rappelez-vous que la lecture des pas va être liée au LFO. Le LFO 1, plus exactement. Mon LFO 1, il est là. Oscillateur 1, LFO 1. Donc ici, vous voyez, bon, j'ai un peu triché, j'ai déjà choisi la courbe. Mais en général, on a ça par défaut. On a un shape à 0 et puis on a une vitesse de 68. En général, ça se passe comme ça et on a stop qui est décoché. Voilà. Donc quand on arrive ici, on a ça. Donc ici, on a la vitesse du LFO qui est hop rapide. Voilà. Key 5, ça veut dire qu'en fait, quand je tape, le début de la courbe du LFO est ici, donc il est synchronisé à la frappe de la note. Donc là, je l'ai décoché, donc ça ne sera pas le cas. Donc voyons voir ce que ça donne. Voilà. Donc ici, on a un LFO qui est assez rapide et qui lit. Toujours le même truc, puisqu'en fait, étant donné qu'il est très rapide, on n'a pas le temps de changer de sample, que le LFO est déjà revenu à son point de départ. Alors ce qu'on va faire, c'est que la vitesse, en fait, on s'en fiche complètement. On va utiliser déjà la fonction stop. La fonction stop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais appuyer, avec Key 5 d'ailleurs, quand je vais appuyer sur la touche du clavier, je vais lire une fois la courbe du LFO. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez déjà, on va déjà d'un pas à l'autre, donc c'est déjà une première chose, mais on lit une seule fois la courbe du LFO, mais on est toujours dans l'ordre ici. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, etc, etc. Et moi j'ai envie qu'on lise mes samples aléatoirement, donc je vais régler sur la courbe sample and hold que voici. Donc à chaque fois que je vais appuyer sur une touche, je vais déclencher un pas
différent de mon sample des hold, donc ça veut dire un pas aléatoire. Donc là, je vais déclencher le 8, là je vais déclencher le 10, là je vais déclencher le 4, là je vais déclencher le 2, etc., etc. Et donc, de façon tout à fait aléatoire, je vais pouvoir déclencher des samples différents sur un mode aléatoire. Donc voilà ce que ça donne. 2, 3, 4, 9, 8, 2, 4, 3, 4, 9, 6, 8, 7, 10, 10, 1, 1, 6, 3, 2, 7, 10, 10, 1, 1, 6, 3, 2, 7, 7, 10, 6, 6. Alors vous entendez que ça se répète un petit peu souvent. Donc ça, ça provient du fait que bah ici, on a découpé en 10 tranches qui correspondent aux 10 samples finalement, et que bah, quand ma courbe varie pas énormément, bah, il se peut que même si ça varie un petit peu, bah, je reste calé sur le même sample. Alors à noter que ici, si je veux utiliser le paramètre shape, il peut être utile ici, puisqu'en fait, vous voyez, je peux tirer la courbe vers le haut ou vers le bas. Donc là-bas, j'aurai un petit peu plus de 9 et de 10, et ici, j'aurai un petit peu plus de 1 et 2. Donc on va essayer. 1, 1, 6, 5, 6, 6, 5, 10, 5, 6, 1. Alors je vais pas beaucoup au-delà de 6, apparemment. Et si je vais là-bas, 6, 4, 5, 3, 10, 10, 9, 10, 5, 6. Voilà, vous voyez que j'ai plus de 4, 5, 1 jusqu'à 10. Donc voilà, si je le mets au milieu, bah, je vais avoir un petit peu tout normalement. Voilà, donc voilà comment on fait à partir d'un LFO sample and hold. Comment on fait bah, une fonction round robin, c'est-à-dire un déclenchement aléatoire de sample au choix. Si on retourne au mode wave séquence, vous voyez qu'ici, en fait, là, j'ai utilisé 10 pas avec 10 multi-samples qui sont là, mais je peux aller si je veux jusqu'à 64. Donc vous voyez là ici, j'ai un phénomène qui est aléatoire, mais pas tout à fait quand même. On voit que les samples ont tendance à se répéter un petit peu, donc ça veut dire que j'ai peut-être pas assez de choix dans mes multi-samples. Si je mets 64 multi-samples et puis que je déclenche à chaque fois avec une fonction aléatoire, il y a bien peu de chances que j'arrive deux fois sur le même résultat. Donc en fait, bah voilà, hein, c'est, si vous voulez vraiment un truc qui ressemble à quelque chose de très aléatoire, bah, il va falloir mettre beaucoup de multi-samples. Et puis si vous voulez juste changer de sample un petit peu de temps en temps, vous pouvez en mettre 2, 3, 4, et puis ça suffit. Donc là, moi j'en ai mis 10. Donc voilà comment on va utiliser, donc à chaque fois que j'appuie sur du clavier, sur le clavier, comment je vais obtenir un son différent à chaque fois que j'appuie sur le clavier. Voilà.